Et vous avez toujours rêvé de choisir et d'organiser vos propres concerts. Désormais, c'est possible. De jeunes Israéliens ont développé un site internet, OctoPulse, une plateforme de financement participatif dédiée aux concerts. David Gombin et Ran Schneck sont allés à leur rencontre pour en savoir un peu plus. Ouvrez grand vos oreilles. Nous sommes à Tel Aviv, au Reading Shalosh, l'une des principales salles de concert de la ville. Ce soir, un guitariste brésilien, Yamandu Costa, joue devant une salle pleine à craquer. Pourtant, ce concert n'est pas tout à fait comme les autres. C'est vraiment sympa, c'est la troisième fois que je viens ici et grâce à OctoPulse, c'est la deuxième fois que je viens gratuitement. OctoPulse, un site original qui permet aux internautes de choisir et de financer eux-mêmes les concerts auxquels ils veulent assister. En apportant les fonds nécessaires à la réservation de la salle et à payer les avances à l'artiste, les détenteurs d'OctoPass participent à concrétiser le projet. Si les ventes atteignent les 80% de remplissage, leur investissement leur est remboursé et ils peuvent donc assister au spectacle gratuitement. À l'origine de ce projet, deux jeunes immigrants venus d'Amérique latine, Marcelo Prado et Daniel Ring. Tous deux musiciens, ils se sont rencontrés lors de leurs études à l'école de musique Rimon. On a eu cette idée de start-up OctoPulse, mais on n'avait aucune idée quant à comment y parvenir. Ils intègrent alors Hive, un accélérateur de start-up qui leur permet de dresser un plan de route. La start-up prend forme. Si le concept du crowdfunding, le financement participatif, est largement appliqué à la production d'albums, il en va autrement pour l'organisation de concerts. Pour les concerts, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas choisir quel concert vous allez organiser. Vous devez vous fier à un producteur. Donc nous avons décidé d'apporter un outil pour mettre en relation fans et artistes. En même temps, cela permettra d'aider leurs promoteurs à organiser des concerts dans leur ville en prenant beaucoup moins de risques. Daniel et Marcelo en sont à leur quatrième concert en moins de 6 mois, pour le plus grand plaisir du public. C'est une initiative très intéressante et vraiment impressionnante. Par exemple, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de pouvoir voir en concert Yamandu Costa, qui est un artiste que j'aime énormément. Après cette phase d'essai couronnée de succès, Daniel et Marcelo ne comptent pas s'arrêter là. Ils espèrent que leur site fonctionnera bientôt de manière autonome. Notre idée est que cette plateforme soit ouverte à tous. Pour le moment, nous l'utilisons également en tant que producteurs. Mais idéalement, ce ne sera plus le cas. Ce seront les fans et les producteurs qui en seront les utilisateurs. Un projet qui permettra peut-être à certains artistes de changer leur opinion sur Israël et de contourner le boycott de ce pays, un obstacle qui fait souvent barrage entre certains artistes et leurs fans israéliens. Une fois que vous comblez le fossé et que vous montrez à l'artiste quels sont les visages de leurs fans et qui sont de vraies personnes, alors peut-être, ça peut être un outil très puissant pour leur faire changer d'avis. En attendant que leurs rêves se réalisent, ces deux jeunes musiciens et entrepreneurs peuvent déjà être fiers du chemin parcouru. La musique que nous apportons est une satisfaction. En tant que musicien, notre idée a toujours été de fournir quelque chose que nous aimons et en lequel nous croyons. Et voilà un site bien prometteur. Allez, à suivre.